Nous arrivons enfin à Vienne, après un voyage très long depuis Rome. Du Rhône, la cité est impressionnante, avec ses entrepôts ou auréats. On y entrepose l'impôt en blé et en vin d'une grande partie de la Gaule à destination de Rome. Le Rhône permet aussi de commercer avec toute la Gaule et la Méditerranée. D'ici, c'est la pyramide du cirque que nous apercevons derrière les entrepôts. Allons visiter ce cirque. Nous entrons par la porte triomphale et pouvons déjà apercevoir la spina au centre de la piste. Nous y sommes. Ce cirque mesure 460 mètres de long. Il peut accueillir près de 20 000 personnes. Nous pouvons voir l'intégralité de la spina et ses décorations, avec au centre la pyramide qui mesure 25 mètres de haut. La statue vêtue de rouge est celle de Lorige Velox, de la faction des Rouges, qui a gagné 176 courses. On le voit tenir une palme dorée. Mais il a subi un naufrage mêlant plusieurs chars. C'est le sparseur de la faction des Verts, en arrosant la piste, qui a jeté son seau sous les pieds des chevaux de Velox. Maintenant, nous allons au forum. Nous devons entrer dans la ville par une des portes du rempart. Ses murs mesurent 8 mètres de haut et 7 km de long. Il est plus grand que celui d'Autun et c'est même le plus grand de toute la Gaule. Mais ces fortifications n'ont jamais servi. Il s'agit plus d'une construction de prestige, privilège accordé par l'empereur Auguste, comme le signale l'inscription monumentale sur la porte. Voici donc l'entrée du forum. Il se trouve juste derrière ces portiques. Ici, nous apercevons une des nombreuses fontaines publiques de Vienne, offerte par Decimus Sulpicius Censor. On peut lire sur cette inscription qu'elle a été reconstruite par sa fille, Sulpicia. Entrons sur la place du Forum. Nous ne voyons que le temple lorsque nous pénétrons sur cette place. Il est beau et ses couleurs sont splendides. Pourtant, il a l'air d'avoir été reconstruit en partie. En fait, à la suite du tremblement de terre sous l'empereur Caligula, une grande partie de la ville a été reconstruite. Ici, la colonnade a été refaite tout de suite après son effondrement. La cella est ouverte. On aperçoit la statue de l'empereur Auguste. Ce temple a donc été construit en son honneur. Maintenant, nous montons au théâtre, mais avant, en passant, nous allons voir la salle d'assemblée du forum. À droite, nous pouvons voir le Bulletarium, où peuvent se réunir près de 800 représentants du peuple de l'immense territoire de Vienne qui s'étend jusqu'à Genève. Cette salle de réunion est rare en Gaule, on n'en connaît qu'en Orient. En fait, c'est la seule en Gaule, car il y a beaucoup d'habitants d'origine grecque à Vienne. C'est pour cela qu'on a aussi un stade qui se trouve à l'est de la ville. Le théâtre est juste au-dessus, allons-y. On est impressionné par sa grandeur.
Il peut contenir plus de 13 000 spectateurs. Il est l'un des plus vastes du monde romain. On remarque que le dieu Bacchus est très présent dans les décorations. On aperçoit sa panthère sur la frise du pupitum, ainsi que les sirènes qui accompagnent le dieu. Bacchus est adulé à Vienne, dont le vin est le meilleur de tout l'Empire. Il y a même une grotte secrète qui lui est dédiée. Et au-dessus du théâtre, on peut voir le temple de Castor et Pollux. On a d'ici la meilleure vue sur la petite Rome. À l'entrée de la ville, il y a la porte de la voie qui mène à Lyon. Outre Rome, on aperçoit les grands thermes avec la palestre et de grandes maisons avec souvent de belles mosaïques comme celle des dieux océans. Dans l'axe du pont, sur notre rive, il y a encore tout un quartier de riches habitations. Plus au sud, nous pouvons voir les grands entrepôts. C'est par là que nous sommes arrivés. Puis le cirque. Sur notre gauche, voici l'Odéon que nous allons maintenant visiter. Nous voici arrivés dans l'Odéon. On en trouve aussi en Italie. On y représente des concerts, des chants, des lectures. En Gaule, il y en a trois, à Lyon, à Valence et bien sûr à Vienne. Devant l'entrée, nous découvrons le buste de Néron. L'Odéon a été construit sous son règne. Il était un grand adorateur des arts lyriques, tout comme les Viennois. Le poète Martial, au 1er siècle, a mentionné dans ses écrits qu'il était fier d'être déclamé à Vienne. Et rappelons son épigramme, « Demain serait trop tard, vis donc dès aujourd'hui ».